Bonjour, bonjour, c'est Stéphane, on se retrouve pour le match de la Ligue 1. 22e journée, le match de la Ligue 1, Paris Saint-Germain, Toulouse FC. Victoire du Paris Saint-Germain, 2 buts à 1. Qu'est-ce que je suis content, mes amis. Une très belle opération côté parisien. On reprend 8 points d'avance sur le deuxième, l'Olympique de Marseille. Même si Marseille joue demain, mais on reprend quand même 8 points d'avance. Et exceptionnel, la semaine dernière, on était à 3 points derrière Lens, et maintenant on est à 8 points. Ça, vous avez vu, ça va très vite le football, et je suis extrêmement content de mon équipe. Très belle équipe de Toulouse, mes amis, il ne faut pas oublier, ils ont fait un très bon match. Même ils étaient à 50 derrière, mais ils ont essayé, et à la 20e minute, c'est eux qui ouvrent le score hein, sur coup franc. Le grand point mort aussi côté parisien, encore une blessure de Renato Sanchez. Renato Sanchez, mon chouchou, à chaque fois, c'est vraiment pas sa saison, cette saison, toujours blessé. Reprends-toi, Sergio, Renato, je crois toujours à lui, hein, mais c'est vraiment pas sa saison pour pro-saison. Je crois que c'est sa 5e blessure depuis, il a signé à Paris, hein, c'est pas possible quoi, et c'est le petit Bachabou qui lui remplace, et c'est lui qui fait la faute à la 20e minute hein, sur Toulouse, et c'est le Vander Bomen qui marque à ce coup franc hein. Après est-ce que Donnarumma il est fautif ou pas, je sais pas, mais voilà, il y a but, voilà. Après, Paris reprend la main, on a eu des occasions, on a eu ce corner direct de Messi à son poteau, on a eu ce coup franc aussi, l'occasion de Ekikité, mais trop molle le tir, il a eu cette occasion aussi de Carlos Soler, mais encore... pas cadrer machin, mais à la 38e minute le Paris Saint-Germain revient à un partout, à sorte frappe enveloppée magnifique de Hakimi, exceptionnel mes amis, pour moi Hakimi il revient à top mes amis, j'espère vraiment, il y a eu une petite gêne à la fin là, au moins c'est pas blessé, parce qu'on a la marre des blessés, mais quel retour gagnant d'Hakimi, qui pour moi c'est le mille homme du match, qui a fait un excellent match, mes amis. Voilà, excellent, mais Hakimi, bravo, je suis content de lui, et voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore une fois? J'ai même aussi aimé de Fabien Ruiz, j'ai même aimé son match au milieu, même il n'a pas eu des occasions, machin, mais j'ai même aimé son match aussi, voilà. Nuno Mendes aussi. Il s'est fait un petit peu scouler par l'attaquant de Toulouse. Hein, il s'est pris un jaune. Voilà. Je ne vais pas revenir avec l'arbitrage, mais hein, j'en ai marre de parler de l'arbitrage. Même parce que, comme je l'ai dit, les arbitres français, c'est vraiment hein, des amateurs pour moi. Encore une fois, je vous dis. Que je peux dire voilà, un partout à la mi-temps. On revient un partout. C'est très bien. On a eu des occasions cette première mi-temps. On a eu des frayeurs quand même un petit peu, mais voilà, un partout. Voilà. La deuxième, comme d'habitude, hein, c'est les 10 premières minutes de la deuxième période. J'ai pas aimé. C'est là, Toulouse, ils ont eu des occasions, tout ça, ça m'énervait. Oh là 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 là. Casse-couille, à chaque fois. Les 10 premières minutes de la deuxième période, on prend tout à chaque fois, ça c'est casse-couille, ça devient même énervant, voilà. Mais Paris reprend un petit peu la confiance, et à la 58e minute, je ne sais pas, Lionel Messi récupère un ballon et frappe un enveloppé magnifique, et ça fait... Et ça fait 2 buts à 1, magnifique but de Messi, mes amis, je suis content pour lui. Et voilà, la même tentative, machin, même à la fin, là, une occasion sur le poteau,
Leur entrée de. J'ai du mal avec Warren Zamri, là, qui m'a fait plaisir, qui met la défense toulousaine en rhume. J'ai bien aimé cette dernière occasion. En plus, c'est lui qui donne la passe à Messi sur le poteau. Après, Vitinha la reprend. Arrêt du gardien toulousain. Voilà. Même Toulouse, hein, ils ont failli égaliser à la fin. Ça m'a fait peur à la fin. Mais de Norma. Et très probablement, même ce coup franc aussi, j'ai eu peur ce coup franc quand la même, le frère jumeau de la première période, j'ai eu peur aussi à ce coup franc, mais Donnarumma assure, qui plonge bien dans le bon côté, là, je suis content, voilà. Il y a le petit Garbi qui rentre aussi, il y a Juan Bernat qui rentre aussi, mais ça ne change rien, voilà, 2-1, moi, je suis content, mes amis. Je suis content côté parisien. Maintenant, face à la Coupe de France, mes amis. La Coupe de France, la Coupe de France, la Coupe de France. Je tiens à la Coupe de France. Ça, même, ça fait 15 fois qu'on la gagne. 14 fois qu'on la gagne cette Coupe de France. Mais j'aimerais avoir une petite 14, une 15e en plus contre Marseille, notre ennemi de jouer. Mais c'est très, 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 très difficile. Sans Messi, sans Mbappé, sans Neymar, peut-être Neymar, peut-être de retour face à Marseille, je ne sais pas. Mais il aura le retour de Marco Verratti, ça va nous faire du bien au milieu. Ça va faire du bien au milieu. Et pourquoi pas faire l'espoir? Je me souviens, dans les années 2000, on avait une pauvre équipe. Marseille était premier en 2000, 2003. Là, il y avait la période Pedretti, tout ça. À la fin, on avait une pauvre équipe, nous, avec l'époque Boskovic, tout ça. Et on gagne là-bas 3-2. Je me souviens ce match exceptionnel. Un match de la Coupe de la Ligue, hein, pardon. Hein, c'est une Coupe de la Ligue ou Coupe de France, je ne sais plus. Mais je me souviens de ce match, machin. Et aussi, à l'époque, avec Sorin, tout ça, on gagne 2-1. C'était en demi-finale, je crois, de la Coupe de France. Oh, je sais plus. À l'époque, il y avait Pauleta. On gagne 2-1. Je me souviens, c'était cette époque. Voilà. Mais on y croit vraiment. Pour ce match, hein, c'est Marseille qui est favori. Mais on a Messi. Il peut nous mettre un but devenu d'ailleurs. Voilà, moi, j'y crois toujours à mon équipe. Mais c'est très dur. Je pense que les supporters à Marseille ils vont faire la merde, ils vont jeter des projectiles. Je le sens bien, je ne sais pas pourquoi, mais il va y avoir de la merde encore. Je les connais très bien, mais voilà. Bon, allez, mes amis, moi je vais vous quitter. J'espère que ce vidéo vous aura plu. Hein. Voilà, je suis content, on reprend 8 points sur Marseille et sur Lens, 9 points. Lens, il joue ce soir, Lens. Voilà. Bon, allez, mes amis, moi je vous laisse. Je vous dis ciao, allez, Paris. Et pour moi, l'homme du match, c'est Hakimi. Hakimi, c'est. Pour moi, je mets homme du match à Hakimi qui a fait un excellent match. Et vraiment, j'espère vraiment sa blessure, c'est pas grave. Mais voilà. Bon, allez, mes amis, moi je vous dis ciao. Et allez, Paris. Bye.